Entre-temps, il est arrivé chez moi, mes petits-fils étaient là, il est monté, il a déposé les boîtes pour moi, il a continué sa route et j'arrive chez moi. Mais sur la route, j'ai comme si le Seigneur m'a mis un flash. Tu es venu dans mon esprit. J'ai dit, ah, tiens, mais RMK m'avait dit que j'aurais eu, le Seigneur lui avait montré qu'il avait une, quand tu avais une vision, que j'aurais une grosse panne, des dépenses, des dépenses, des dépenses. J'ai dit, alors voici les dépenses de voiture. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il t'a montré, parce que moi, je te dis que vraiment, je ne sais pas. Je te dis vraiment, le mécano m'a dit que j'aurais eu une grosse, grosse, grosse dépense que je pense que je n'ai jamais eu de ma vie. Parce qu'un moteur, brûler un moteur sans huile, les pneus, tout ça, eh bien, vraiment, que l'Éternel soit béni, mais que l'Éternel bénisse ta vie et toute ta famille. Et que vraiment la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te donne encore et encore les visions dont tu as besoin pour toi, pour ta famille, et que le Seigneur te fortifie, te remplit de son amour, et que la puissance de Dieu soit encore plus puissante en toi, et que vraiment que le Seigneur te soutienne et soit toujours, toujours, toujours avec toi à travers ton ministère prophétique. Vraiment que le Seigneur te fasse tous les désirs de ton cœur se réalisent. Que Dieu réalise cela, que la main de Dieu soit sur toi et sur toute ta famille. Alors voici ce que tu m'avais dit que le Seigneur t'avait montré, cette panne que j'aurais eu que l'ennemi. Voilà, ça c'est la toute première chose.